Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme en compagnie de Overwan97. pour une vidéo sur Minecraft. Je pense que c'est le 9e épisode de Capi dans Jurassic. Donc j'ai lu tous vos commentaires et par rapport à mon mode, que je reste en créatif ou pas, bah, c'est le mode créatif que j'ai vu le plus souvent dans les commentaires. Mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait mis que ok, tu peux jouer en créative, mais par contre tu nous fais un parc de la mort et je devrais vous passer la map à la fin de la série. Bon, ça reste encore à voir, mais bon, si vous voulez. De toute façon, si vous n'avez pas le mode, ça servira un peu à rien. Bah, si c'est pour le principe, bah, vous l'aurez, hein, pas de souci. Donc ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est déjà faire aujourd'hui un enclos pour des vélociraptors. Donc c'est bête là, hein. Je vous montre parce qu'il est un peu con. Il est où? Il est là. Donc pourquoi je voulais vous montrer, c'est parce que voilà. Lui en fait, quand il bouffe, il a la côtelette dans la bouche. Je sais pas si vous voyez. Là, il a la côtelette dans la bouche. Et il a un sale bruit de raptor. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit peu un enclos du genre comme dans Jurassic Park 1. Parce qu'ils ont fait un enclos pour les raptors, que je trouvais assez sympa. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça à côté de celui de T-Rex, mais je sais pas si je le fais où. Là? Ouais, non, mais faut qu'on fasse genre un chemin pour aller d'un enclos à l'autre, tu vois. Là? Ici, non? Ici. Ouais. Donc je vais faire un truc de 20 sur 20. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sur, je sais pas, une trentaine de blocs. On va retirer le créatif. Donc le truc, ça va être une genre de clôture en fer, mais vous allez voir, on va faire mettre un genre de barbelé, comme ça va être assez bizarre, mais bon. Nous on sait comment c'est. Est-ce que ça ressemble à ça? Ouais. On va faire slash slash walls 42. Voilà. On va terraformer tout ça. Oh, c'est pas mal comme grandeur. Oula. C'est pas vers ça. Wall suite, on met de l'eau comme d'habitude. Et alors, ce qu'on va faire. Donc les raptors, c'est pas de l'eau qu'il faut leur mettre, mais on va mettre des arbres comme là-bas en fait. C'est très grand, avec des lianes qui tombent. Parce que dans le film, en fait, c'est des fougères partout dans l'enclos. Voilà, je t'ai dit. Parce que les raptors sont très censés être intelligents. Voilà. Donc, si vous avez jamais vu Jurassic Park, ben, je vous invite à aller le regarder. C'est vraiment un super film. C'est 100% vraiment dans l'esprit de la série, en fait. C'est un peu de ça que je me suis inspiré, en plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour commencer, on va mettre des barbelés. Par contre, je vais aller me vider parce que j'ai trop de trucs sur moi. Vider l'inventaire, hein, pas aux toilettes. Alors, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Donc pour la prochaine série, comme je vous avais dit, j'ai un petit concept qui peut être vraiment pas mal, mais ce sera pas tout de suite parce que je ferai une vidéo information juste après celle-ci pour ce qui va se passer pendant le mois qui vient en fait sur la chaîne, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer d'un petit peu, enfin vous allez pas être très content, mais je vais essayer de faire en sorte que vous le soyez. Voilà. Ou alors tu vois, je fais plein de vidéos, je les mets en non répertorié et toi tous les jours tu viendras en mettre une ou tous les 2-3 jours. Tu viendras les mettre en public.
Donc voilà, donc je vais mettre aussi la journée parce que c'est pas très joli. Non, pas enlever, sinon je vais me péter la gueule. Voilà. Alors il nous faut. Ça on peut le tirer. Ça on garde. Les blocs de. Là, les barrières en fer, où est-ce qu'elles sont? C'est pour invoquer les minions. Un mignon. Tu vas voir. Je laisse travailler comme ça, tu vas voir. Alors, on va faire tout notre contour en barbelé. T'as jamais vu? Mais tu regardes pas la série ou quoi? Ils font une mine et tout ce qu'ils ramassent, bah à la fin ils me le donnent. Ouais. Ouais, mais ça casse un peu le jeu, mais quand t'es en solo, franchement, si t'as pas ça niveau ressources, tu passes ta vie à ramasser des trucs en fait. Ça ramène tous les blocs qui sont en dessous d'eux en fait. Ouais, donc ça peut. Non, ça s'arrête à la bedrock même un peu avant. Et si jamais il y a des lacs de lave, eh ben ils font le contour et ils enlèvent la lave aussi. Ça c'était un peu nul, mais bon. Donc c'est un truc assez sécurisé, hein, parce que les raptors, comme on vient de vous le dire, c'est vraiment. Enfin, on va faire un peu de RP, mais logiquement c'est très intelligent comme bête. Allez. Mais c'est très con dans les jeux, mais ici, on va dire qu'il est intelligent. Alors, c'est quelle idée? 102. 101. Voilà. Ça c'est bien quand même. Ah mais. Pas de pluie, merci. Donc le truc ça va être ainsi. Ça va ça comme hauteur. Donc on met ça là. De quoi? Non, enfin si ça grandit, mais je vais en mettre deux à mon avis, maximum. Ouais, mais le problème c'est quand ils sont trois, ils se bouffent entre eux, alors. Ouais. Ouais, mais non. C'est parce que quand ils sont trois, en fait, ils se bouffent entre eux, parce que sinon ils ont pas assez de bouffe chacun, donc l'intelligence artificielle est un peu bête, mais. Quand tu réfléchis, c'est un peu normal comme réaction, mais bon. 7, 100. Voilà. Bah, ils grandissent jour par jour à peu près. Mais il garde déjà comme il a grandi. Il est déjà plus grand que les cochons. Oh putain, il m'a attaqué. J'ai eu peur. Je vais aller faire. Merde. Ah bah je sais pas. On abuse pas quand même. Il est déjà plus large qu'un bloc, donc il peut déjà plus sortir. La musique de Minecraft est vraiment horrible. Voilà. Donc après cette vidéo aussi. On va aller faire une vidéo sur Dofus, mais sur l'autre PC, je pense. Bah, elle va vite le télécharger maintenant. Quoi? De quoi? Quelles conditions? Bah non, je sais pas. Ah oui, que je fasse ta vidéo. Bah ouais, mais je t'ai dit que je te la ferais.
Donc je vous dis déjà, mon frère a lancé une chaîne entre guillemets communautaire qui s'appelle Horror Gaming Show, non, Horror Gaming QG, voilà. Et c'est une chaîne sur les jeux d'horreur, hein, les face commentary, tout ça, genre, sur les jeux comme Amnesia, CP, NCP, je sais pas comment, Resident Evil, et des trucs comme ça. Merde. Ah, je viens de m'éclater comme une grosse merde. Ouais, non, mais en fait, quand je retire le mode créatif, quand je retombe après, ben, vous avez mal. On va regarder vraiment qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, ici, on va planter des arbres à tous les coins. C'est comment on fait slash spawn tree. Ah non. Pas ça. Slash slash. Ah non. Big tree. Oh, je sais plus comment on fait. Enfin, soit, c'est pas grave. Donc c'est ceci. Je pense que c'est ceci. C'est ceux-là les arbres de marais. Ouais, c'est ceux-là. Donc on va prendre un peu de ça, on va les grandir un petit peu. Il faut de la terre aussi et de la bonne mille. Elle est où? Là, voilà. Bon, pourquoi on les grandit un peu? C'est parce qu'en fait, comme je l'ai déjà expliqué avant, eh bien, les dinosaures, quand ils sont grands, en fait, ils se mangent les arbres et ils meurent en fait. Donc pour éviter ça, on les grandit à leur maximum. C'était pas ceux-là, mais c'est pas grave. On va rajouter des lianes. Des vignes, comme ils disent dans Minecraft français. Voilà. Les vignes? Ah bête. Bon, ça met du temps à descendre. Voilà, on va en mettre aux quatre coins et on en mettra un au milieu. Merde. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Fais que des couilles. Tac, tac, tac. Ah, les minions ont terminé. Et voilà. Ouais. Voilà tout ce qu'ils ont ramassé. Même des fossiles et tout. Mais on va les retirer parce que. Ils font un bruit pas possible en plus que je les retire, ils font. Aïe! 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 Comme ça. Quatre coins on a dit. C'est con, hein, si seulement on pouvait être deux sur la map, ce serait beaucoup plus facile. On irait surtout beaucoup plus vite. Tac. Et là. Voilà, ils sont un peu foireux les arbres, mais c'est pas grave. Ouais. Tac, tac. Ce que je ferai sûrement par après, c'est en fait faire un genre de petit train en fait, un minecart qui va passer autour de tous les enclos. Ça pourrait être pas mal ça. Oula. Ouais. Qui bouffe pas les gens qui passent. Bah, normalement il attaque pas. Si on reste en créatif, il attaque pas. Ouais, mais je vais pas mettre des villageois. Merde, c'est pas ça que je devais faire. Parle à qui? Coucou.
Donc voilà, vous venez d'entendre mon chat, logiquement. Messire Rufus. Ruru de son surnom pour les intimes. Et voilà. Bah tant mieux. Voilà. Bon, ça commence à descendre. Maintenant, faut illuminer aussi parce que sinon les raptors, ben, quand il fait froid, ils aiment pas. Voilà. J'ai une autre idée d'enclos aussi pour le prochain dinosaure qu'on va faire. Vous allez voir, ça va être franchement pas mal. Ça va être un peu dans l'univers Koh-Lanta pour ceux qui connaissent. Non, non. Un truc avec des pics, des trucs comme ça. Enfin, franchement, ça va être pas mal. Enfin, je pense que ça va être pas mal si j'arrive à faire ce que j'ai envie. Donc, ça me semble pas mal. Je leur fous un truc pour la bouffe pour si jamais, ben. Bah s'ils ont faim. Hein. Et je sais pas où c'est. Celle-là. Alors, on va leur mettre. Putain, j'ai trop de trucs, hein. Je suis désolé, mais. Voilà. J'ai retiré tous les trucs qu'on avait, mais. C'était par obligation. Donc la bouffe ici, on va leur mettre 2-3 steaks de viande. Voilà, je pense pas que c'est herbivore un raptor. Et alors on va prendre 2 œufs de raptor qui devraient être là quelque part, mais je. Là. 1, 2. On va les espacer parce que sinon ils vont s'attaquer directement. On en met 2 ou 3? Voilà, 3. Et on va leur mettre 10 cochons. Parce qu'ils aiment bien attaquer les cochons. Là, je spawn. Pig. 10. Voilà. Donc ça me semble pas mal. Comment enclos pour aujourd'hui. Encore une fois, faudrait que je trouve un texture pack qui irait avec ça. Mais comme je vous l'ai déjà dit, en fait, les texture packs, j'arrive pas à le patcher en HD parce qu'en fait quand j'installe tous mes mods, bah, bizarrement, oh il y a le T-Rex qui a grandi. Bizarrement, bah, le patch ça s'enlève, je sais pas pourquoi. Bah voilà, le T-Rex est grandi. Il est déjà plus grand que moi. Il a 2 jours. Hein. Il crie fort en plus. Lui en remettre. Hein. Et voilà, c'est parti. À la fin, il va les tuer en un coup. Hein. Déjà là, il les tue en 2 coups, c'est pas mal. Donc aussi, voilà. Donc je crois que pour ce que je vais faire, c'est je vais faire un enclos par épisode en fait. Et comme il y a une quinzaine de dinosaures, une bonne dizaine, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 avec les tigres à dents de sabre. Donc que ça nous fera encore une dizaine d'épisodes. Ouais. Ouais. Par contre, je vais juste prendre mon Dinopédia. Et je vais vous montrer juste l'éclosion des raptors. Ouais, ils sont bientôt prêts. Ensuite, mettez-moi dans les commentaires le prochain dinosaure que vous voulez. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors il y a les Triceratops, Velociraptor on a déjà fait, le Stégosaure, le Mosasaur, Plésiosaure, Nautilus, le Ptérosaure, T-Rex on a déjà fait, le Dilophosaure, le Brachiosaure ou bien le Tigre à dents de sabre. Donc mettez-moi dans les commentaires et je verrai par le nombre de votes. Non, faut pas que j'enchaîne, comme ça je fais le rendu déjà maintenant et quand c'est fini je peux en recommencer. Ah ben voilà, ils ont éclos. Ils attaquent déjà les pauvres cochons. Donc ça aura pas attendu beaucoup. Donc lui il va bientôt arriver. Et voilà.
Ouais, c'est leur ombre. Donc voilà, il vient d'arriver et bouffe déjà. Hein. Faut vrai. En plus, quand ils sont plusieurs, normalement, ils vont faire comme dans Jurassic Park, en fait. Comme ça, pour s'appeler l'un l'autre, c'est trop stylé. Oh là là, il a... Tu vois, il attaque à plusieurs. Ça, c'est un vélociraptor. Ça, c'est des vrais, vous voyez. Ce mode est franchement mais génial, quoi. Super bien fait. Ils attaquent en groupe. Enfin, soit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de poster dans les commentaires le prochain dinosaure sur lequel je dois faire l'enclos. Et on fera en conséquence. Voilà, salut à tous.